Oui, t'es la plus belle. Alors, le fameux Birdie. J'espère que t'as une bonne raison pour m'avoir traîné jusqu'ici. Eh, je suis là pour offrir mes services. Ce kidnapping que vous préparez, je crois que vous mesurez pas vraiment l'adversaire qui vous attend. Ça alors, tu t'inquiètes pour moi. Laisse-moi voir de plus près si ton visage m'inspire confiance. Dom est mort. Un petit cadeau du chauve. Ça veut dire qu'il vous faut un nouvel agent de liaison. Et qui serait mieux placé que moi pour ça? J'ai pas raison. Non, Birdie, t'as pas raison. Tu vois, j'ai déjà la fille. Ce qui veut dire que j'ai pas vraiment besoin de toi, pas vrai? Attendez, pas la peine de s'énerver, je vous en prie. Écoutez, vous comprenez pas? Vous voulez le plus offrant? Alors laissez-moi m'occuper de la transaction. C'est ma spécialité. Birdie, tu crois que je suis pas capable de retracer tes appels sur ton portable, hein? Une magnifique journée, non? Birdie, qui c'est... comment elle s'appelle déjà? Jade. Qui c'est, Jade? Allez vous faire foutre! Mauvaise réponse. J'adore ce pays. Un homme peut accomplir tout ce qu'il veut à condition d'avoir un cerveau et des coronets. Ok, c'est une nouvelle recrue, l'agence. L'agence? T'es en train de me dire que l'agence est liée à Victoria? Ouais. Relâche-le. Ces gens sont vraiment dangereux. Si vous les cherchez, c'est eux qui vous trouvent. Mais si vous me laissez jouer les intermédiaires, réfléchissez. Puisqu'elles comptent assez à leurs yeux pour qu'ils envoient leurs tueurs, ça veut dire qu'elles vaut des millions. Des millions. Je vais tenter ma chance. Tu peux y aller, Birdie. Tu m'as été très utile. Mais si je revois ta tête de sale fouine, je me ferai un plaisir de t'enterrer aux côtés de nos pères fondateurs. C'est une promesse que je te fais. Et je tiens parole. C'est fini. Tu crois pouvoir me garder comme ça? Tu vas le regretter, crois-moi. J'ai une surprise pour toi. Ouais. En fait, j'ai une surprise pour tout le monde. Nouvelle mission, on se retrouve à Dakota pour chercher Lenny du coup qui a relevé Victoria. C'est parti, on va essayer de voir déjà où on doit aller. D'accord, on doit aller là-bas. Et ceci, ça va être chaud de passer, salut, je pense. Comment ça va? Désolé, merci. Mon pote. Ok, bon, ça commence bien. C'est même pas. Vous avez pas le droit d'entrer, c'est. Non, merci de sortir, s'il vous plaît. J'attends mon associé. Il est parti acheter du matos. Okay. J'ai envoyé des signaux trompeurs ou quoi? Ouf. Une batte de baseball, les gars. C'est professionnel. Bonjour, comment allez-vous? Bien, bien, et toi? Ok, on va attendre qu'il sorte. Et dès qu'il sorte, on va passer par le.
le petit truc là en dessous. Vous voyez ce que je veux dire? On va quand même prendre une bouteille. Ça peut toujours servir pour attirer les ennemis. Donc j'ai essayé de parler un peu plus fort. On m'a dit qu'on m'entendait assez mal dans la dernière vidéo. J'ai remarqué aussi que sur téléphone mobile on m'entend assez mal et que ça peut le faire sur certains ordinateurs. Du coup on va essayer de parler un peu plus à une voix un peu plus intelligible. Okay. On va attendre qu'il se casse. Ah ouais, toi t'es sérieux, attends. Ouais, comment allez-vous? Ok. Lars Olsen, j'étais à l'œil. Y'a pas de soucis, mec. Mais putain, comment on fait pour. Ok. Allez, c'est parti. Ok. Hein? Hé! Hey, j'ai entendu! Comment on va faire pour le faire dégager? Il va devoir bouger, je pense. Ou pas. Ok, hop, un de moins. Pour le cacher du coup là c'est pas pratique. Ok, on a la preuve. Ouf. Ok. Ok, ok. Comment je vais faire? C'est pas pratique du tout. On va le passer par là, voilà. Non, arrête. C'était il y a 17 ans. Non, tu savais que j'adorais l'usine. Okay, on va passer par là. C'est parfait. Bienvenue. Bonjour, monsieur. Laisse-moi les embrasser. Que le barman est là-bas. Bon, on va réussir à passer, les gars. Bon, allez, dites-moi tout. Hein? Ok, nickel. Dites-moi tout. Chez le barbier, tous les jours, midi pile. Il est tellement badass. Tellement badass, 47 en biker. Salut mec, alors la vie à la campagne, les ploucs sont gentils avec toi. Quand t'auras le temps, tu passeras à l'armurerie de McGarmon. Je t'ai fait livrer un petit cadeau. Je sais pas. C'était une mission assez rapide quand même. J'ai même pas pu faire ombre, j'étais obligé de faire spécialiste. Ok, bon, continuons. Hein. C'est pas vrai.
Birdie ce qu'il demande. Trouver 47 à tout prix. Ils sont à moi. Alors vous devez avoir la facture. Je pourrais aussi les prendre. Vous n'avez pas la tête à voler. Ce ne serait pas du vol. Bon, écoutez, je vous les vends si vous êtes capable de tirer mes petites filles. Vous croyez que vous tirez mes petites filles? Ça dépend de la fille. Quelle amitié qui va me servir à côté de ma petite Lily? On va voir ce que vous valez. Oh, c'est parti pour du tir. Sympa. Bon. Allons-y. Allons-y, on va s'amuser les gars. Ouh, elle est mignonne, tiens. Il paraît que vous voulez vous mesurer à moi. Ok, avancez, prenez l'arme que vous voulez dans le magasin. Quand vous serez équipé, revenez me voir. Et là, on passera aux choses sérieuses. Je vous en faites pas pour les munitions. Tant que vous jouez avec moi, ce sera crédit illimité. Allez hop, on va s'amuser avec cette petite petite cowboy. Okay. Ok, ok, bon. Eh ben, je trouve pas de munitions pour un petit combat. Je devrais être rangé au fond avec les autres. Ouais, j'ai regardé, mais j'ai rien trouvé. Je peux vous aider? C'est bizarre, on en avait encore ce matin. J'ai pris cette arme, elle est bien, elle est pas mal. Putain, c'est quoi ça? Ça sent le macro pas frais. Ok. Ah, ça va être chaud. Bon, faut utiliser le tir. Où est-ce que vous avez appris à tirer comme ça, cowboy? Putain, Lily, elle me défonce, c'est un truc de ouf. Putain, comment je. Je vais réussir à la rattraper en fait, ça va être chaud là. Pas du tout précis cette arme en fait. Bon, je suis un piètre tireur. J'aurais pas fait mieux. Ok, hop, tir réflexe. Dans la place, les amis. Ok, prochain. Vous avez
avez du potentiel, vous devriez réessayer avec une autre arme. Ouais, une autre arme, je pense que ça sera bien plus pratique. C'est le genre d'arme qui mériterait un présentoir spécial. Ouais. Comment je pourrais... Quelle arme je pourrais prendre, tiens. Et voilà, ma beauté. Ouh, ouh, t'es magnifique. Putain, faut que je trouve une bonne arme, là. Ouais, comme tu brilles. Qu'est-ce que vont me proposer les gens? Je suis pas en live, le mec il pose la question. Pourquoi vous courez comme ça? On va utiliser cette arme, tiens, on va essayer. Y'a rien d'autre. Il a le feu aux fesses, on dirait. Vous avez d'autres pistolets mitrailleurs en stock? Ouais, là-bas dans le coin. Franchement. Ok, on va faire ça, on va utiliser celle-là. Elle a l'air d'être bien précise. Allez, c'est parti. Ok. Parfait. Ok, hop. Hop. Allez, hop. Petit réflexe, c'est fait. Excellent. Ok, 20. J'aurais pas fait mieux. Ok, en espérant que j'ai pas raté. Ok, et ok. Là, je pense que je les ai les trois. Nickel. Bon, j'en ai raté quelques-uns. Bon, tant pis. Excellent. Ok, je l'ai presque dépassé, les gars. Je l'ai dépassé normalement. C'est réussi. On va récupérer nos Super Bowl, les gars. T'allais dire que quand j'étais petit, j'y arrivais pas. Non, quand j'étais un peu plus jeune. Nickel. Voilà, hop. Record battu de Lily, 571. Dites-moi en commentaire ce combien vous avez fait sur ce jeu, vous. Vous m'avez battu à la loyale. Et ouais, moi je bats toujours la loyale. Je sais qu'il y a un moyen de tricher, mais moi je veux pas tricher. Du coup, je récupère mes petites silver balls. Elles sont juste magnifiques, les gars. Oh, le petit message. Message caché, quoi. Ok, c'est vraiment Bozaki. C'est quoi notre objectif maintenant? Quitter l'armurerie. Hop, on se casse dehors. On a réussi à récupérer nos Silver Boss, c'est le plus important. Yop, vétéran, bon, c'est normal, on peut pas faire ombre dans ce type de choses. Enfin, faut tricher, mais moi je suis pas là pour tricher. Bah écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'avant de repartir dans un autre chapitre dont je ne connais pas la longueur, je préfère couper cet épisode-là. Bon, on a fait 20 minutes ensemble, hein, on va pas dire que ça a été un court épisode, ça a été quand même un épisode assez long. On se retrouve pour la suite, très rapidement les amis.